apavoisé leur domicile de drapeaux tricolores ce vendredi, jour de l'hommage national aux victimes des attentats. Alors depuis quelques heures, eh bien, c'est le rush pour acquérir le fameux drapeau. L'atelier Lemay, l'un des rares fabricants français à Saint-Grégoire, près de Rennes, est actuellement justement dans ce rush. Plus de précisions avec Philippe Berthoud. À l'atelier Lemay, fabricant de drapeaux à Saint-Grégoire, on a observé aujourd'hui un trafic de clientèle totalement inhabituel. Les Rennais ont donc répondu favorablement à l'appel du président Hollande en pavoisant leur domicile pour l'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. J'ai 63 ans, effectivement, c'est la première fois que j'achète un drapeau français. Malgré tout, on a toujours un peu l'esprit patriotique par rapport aux parents ou aux grands-parents qui ont fait la guerre. Du plus petit au plus grand, jusqu'à 2 mètres par 3, le drapeau s'est donc vendu comme des petits pains. Là, ce sont même les administratives ou comptables de la société qui se sont improvisées vendeuses pour cette clientèle grand public, sans parler des professionnels. On a une demande du ministère de la Défense pour 8000 drapeaux, on a une entreprise qui nous en demande plus de 200, qui est venue ce matin qui nous a demandé 200. Une école qui nous a demandé 600 drapeaux à agiter. Donc ça, c'est des demandes qu'on n'a pas habituellement. Les drapeaux sont fabriqués ici de deux manières différentes, soit la couture classique de trois pièces de tissu de couleur, soit l'impression de motifs sur une maille polyester, dite maille drapeau. C'est une maille qui est très solide et qui va pouvoir résister à toutes les agressions extérieures, notamment le vent, puisque les contraintes du vent, c'est 24 heures sur 24. On imprime avec des encres aqueuses, très polluantes, et ce sont des encres qui sont dites sublimables. Donc en fait, une fois que j'aurai imprimé mon drapeau, j'irai le cuire à une température à 210 degrés. Et c'est cette cuisson qui va donner au drapeau sa couleur vive définitive. Et des drapeaux tricolores ou publicitaires, l'atelier Lemay en fabrique chaque année près de 25 000 m². Inquiétude.